Ah, salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le rendez-vous de la semaine avec Xur. On est vendredi, Xur est présent à la tour au niveau de l'épreuve. Ça annonce le début du week-end et il apporte avec lui une petite surprise puisqu'il nous amène tout simplement les fameuses épines de verre dont on avait parlé précédemment. Donc ce nouveau matériau qui va tout simplement vous permettre de modifier les attributs de vos équipements exotiques. Alors pas seulement, il vous faudra également utiliser 250 lumens et des pièces d'armure si je me souviens bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous permettre en quelque sorte de reforger vos armures. L'item vient de débarquer avec la dernière mage et elle est à présent en vente chez Xur en l'échange de 3 particules de lumière, 3 pièces étranges et un éclat exotique. Donc avec lui, vous avez encore et toujours les fameux 3 de denier que je vous recommande vivement si vous souhaitez obtenir de l'exotique à 310 ou du moins avoir une chance d'en looter un petit peu plus sur les boss supérieurs dans différentes missions et assauts. Ensuite, vous avez les cartouches d'armes lourdes et bien évidemment les moteurs pour vos passereaux. Donc côté équipement pour cette semaine, on retrouve pas de plan B pour les titans à 280 points de défense, donc je ne vous présente plus ces items. On retrouve également ne me touchez pas pour les chasseurs, 280 points également. Et le nouveau casque, le cerf pour les arcanistes en 280. Donc ce casque qui est arrivé avec le dernier DLC et dont les capacités sont les suivantes. Donc votre super se recharge plus rapidement lorsque vos coéquipiers sont morts et vous réapparaissez occasionnellement avec un surbouclier. Vous obtenez de l'énergie de super supplémentaire quand vous tuez des sbires des ténèbres avec votre attaque de mêlée et vous obtenez de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez un orbe de lumière. Donc côté arme, cette fois-ci, on a le désormais un très bon sniper cryo que je vous recommande à 280 points d'attaque. Donc si vous en avez la possibilité, je vous recommande fortement de le monter à 310 et un engramme d'armes exotiques classique. Pour ma part, le sniper désormais à 310, comme je vous le disais. Donc c'est vraiment un très bon sniper que je vous recommande absolument, d'autant plus que cette semaine, la nuit noire est en dégâts cryo-électriques. Donc voilà, je vous invite également à essayer les nouveaux items par curiosité. Donc 3 de denier est un item que je vous recommande vivement, comme je vous l'ai dit précédemment. Et épines de verre, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je vais en acquérir quelques-uns et essayer les différents effets sur mes armures. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Et je vous ferai peut-être un retour dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour notre ami Xur cette semaine. J'espère que vous serez contents, que ce qu'il a à vous proposer va vous faire plaisir. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous, faites la fête, profitez bien et prenez soin de vous. Ciao tout le monde !